Bonjour Naëlo. C'est ça. Antoine Trichet, alias Naëlo, c'est ton nom d'artiste. Exactement. Tu travailles normalement à l'huile. Et à l'aquarelle. À l'aquarelle, et aussi un peu d'aérographie. Et d'aérosol, ouais. Aérosol, ouais, d'accord. C'est ça. Et aujourd'hui à l'acrylique. Aujourd'hui à l'acrylique parce qu'on est en intérieur et puis qu'on est dans un délai limité. Alors, on a regardé un petit peu, donc t'exposes ici au salon à l'Expo International de La Rochelle. Ouais. Donc, tu tiens jusqu'au 4 novembre. C'est ça. T'as une toile juste derrière, là, derrière la scène. En général, qu'est-ce qu'on peut dire de ton travail ? Est-ce qu'il a un rapport un petit peu avec la fin des temps ou quelque chose comme ça ? Ouais, avec ce qu'on appelle l'anthropocène. Ouais, un l'anthropocène. Petit peu. Il y a des philosophes ou des penseurs que j'aime bien qui travaillent sur ce sujet. Mm-hmm. Et puis c'est un sujet qui, moi, m'angoisse pas mal. Ouais. Et mes tableaux, ça me permet un peu d'en rire tout en faisant un peu de militantisme. Je sais pas, j'ai toujours vu la peinture comme un acte. C'est ce qui reste. Civilisation. Après, moi, c'est vraiment, ça me permet de mettre une distance avec ça, d'accord. Le fait de faire de la peinture. Et ça m'est venu surtout à la base d'une lecture que j'ai eue okay. et que j'ai trouvée un peu fascinante. C'est la carte et le territoire. Okay. À la fin de la carte, donc ça raconte l'histoire d'un artiste, la carte et le territoire. Okay. Et à la fin de l'histoire, il en a un peu marre du monde et il va s'isoler dans un château qu'il laisse un peu à l'abandon. Et il se rend compte qu'au bout de plusieurs mois, il y a de l'herbe qui commence à pousser à travers les portes, etc. Ouais. Et je trouvais ça génial, l'idée que la nature reprenne le dessus quand nous, on a complètement disparu. Mm. C'est un peu ce qui se passe quand les gens font de l'urbex ou des choses comme ça, moi j'aime bien ça. Mm. Et quand on y va, c'est vrai que si on laisse un endroit abandonné... Ça va vite, ouais. Ouais, ça va très vite, on est vite plus chez nous, quoi. Très ouais, vite. Moi j'aime bien la nature, je vis à la campagne, donc c'est vrai que ça m'inquiète un peu. Donc ben, voilà, mes inquiétudes, je les pose comme ça. Tu laisses les gens interpréter tes œuvres, mais elles sont quand même déjà riches de symboles, de symboles, de choses qui s'interprètent quand même. Oui, voilà. Ouais. Après, il y a des choses que moi je mets que les gens ne voient pas forcément. Ouais. Là, sur celle-ci, par exemple, c'est plein d'influences de peintres que j'adore. Ce lit, c'est le lit qu'il y a sur la chambre de Vincent Van Gogh. La petite pièce d'échec, là, ici, c'est une marque de Salvador Dali. Mm-hmm. Puis j'ai d'autres tableaux où je mets des pommes, qui sont les symboles de Magritte. D'accord. J'essaie toujours de mettre des petits clins d'œil aux peintres que j'aime bien dans les tableaux. Alors le petit quadrillage là au sol, c'est la marque d'un de mes peintres vivants favoris, qui a en ce moment une rétrospective à Pompidou d'ailleurs, c'est Gérard Garouste. D'accord. Il met beaucoup de damiers au sol comme ça. Aujourd'hui alors, on part sur quoi ? Alors aujourd'hui, j'ai proposé donc à Philippe Prat de lui faire des petits lettrages de graffiti. D'accord. Parce que moi j'ai commencé par ça quand j'avais 15 ans. Okay. Et c'est quelque chose qui plaît en général. Moi, je fais ça avec des jeunes sur mes week-ends, en activité annexe. Et ça plaît toujours. C'est des choses qu'on voit pas souvent, surtout dans des expos de peinture. Ouais. Enfin, de plus en plus, le street art. Ça vient, ça rentre, ouais. Ouais. Tout doucement. Et du coup, là, je trouvais ça un peu. Ça permettait de voir autre chose que de faire des peintures comme il y a beaucoup dans le salon. Il y a des super belles peintures. Donc, je voulais essayer de vous montrer quelque chose qu'on voit pas d'habitude. Ouais, c'est super. D'autres types d'art graphique, d'art visuel et tout, qui ont toute leur place pour être exposés en fait. Donc, bah, je pense, ouais. C'est, donc c'est très bien, vraiment, je trouve ça bien. C'est un bon mariage. Là, sur le salon, il y a quand même beaucoup de techniques très différentes. C'est très varié, ouais, voilà. C'est génial. Et, tant qu'on vient avec un esprit de création, la technique est moins importante, je crois. Ouais, exactement. Ouais. Donc, moi, je suis, depuis le début du salon, j'en prends plein les yeux, je suis comme un enfant, quoi. On peut te retrouver là, t'expo, t'as des expos peut-être bientôt d'autres... Alors j'ai exposé à la Galerie du Sénéchal il n'y a pas très longtemps. Là j'en ai pas d'autres de prévu parce que j'ai beaucoup de chantiers de peinture avec des enfants notamment, des choses comme ça. Et puis j'ai envie de commencer cette série, je l'ai terminée il y a un an presque. Et depuis, comme j'ai exposé, j'ai pas pu repeindre beaucoup. Donc là le prochain objectif c'est de me renfermer et de faire la suite de ça. D'accord, de retrouver un temps de création c'est calme. C'est ça, exactement. Ouais. Super. Et donc, et pour les enfants, s'ils veulent te joindre, le mieux pour te contacter, c'est directement sur... J'ai une page Facebook, Naëlo. Naëlo, ouais. Ouais, ok. Ouais. Donc Naëlo, N-A, on va mettre le lien de toute façon en description. Et N-A-E-L-O. Ouais, c'est ça. On peut te retrouver donc, ici jusqu'au 4 novembre. Toute l'après-midi, tu vas nous faire une peinture live. Je te souhaite de prendre plaisir, beaucoup de créativité. Ouais, bah merci beaucoup. Et puis, c'est cool. Voilà. Au plaisir. Bonne peinture à toi. Merci.